matin. Bon matin. On s'en va où? On s'en va dans la vallée secrète. Vallée secrète. On s'en va voir les mines de sel. Puis un autre affaire, je me rappelle plus c'est quoi l'autre affaire. C'est comme Murray. Murray, hein, c'est ça. Ben, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas. Fait que là, on suit le groupe, on s'en va prendre notre autobus. Il y a 8 blocs à marcher. Ouais. Il est très tôt ce matin, hein. Il est quoi? Ben, très tôt, c'est pareil, là. Il est 8h30, là. Pas super. Porque la ovejita, desde el primer nacimiento que tuvo, nunca se ha bañado, ¿no? And the sheep, good and the very dirty, look. Y luego nosotros lo formamos así en ovillos y pasamos casi al tejido. Como pueden ver en nuestros textiles, nosotros hablamos de la flora, la fauna. Hablamos de las montañas, de las playas, de las lagunas. Con estos diseños ya nos identificamos acá en Chinchero. Y todo este diseño tiene su significado. Como pueden ver, este diseño se llama el oraipo. El oraipo nos representa una planta medicinal que nos sirve el cóndor. ¿Ya? También nuestros tejidos son reversibles, ambos lados. Una y dos. No como la fábrica china que solo tiene una cara. C'est plus, mais c'est, moi je pense, j'imagine pas le papier. C'est mignon. Eh mon dieu. Vivo, ce serait du fun là-dedans. Moi j'en ai. C'est vrai? On est où maintenant? Hein? On vient d'arriver. On est arrivé où? En fait, je retiens jamais le nom. Aux mines de sel. Salverina. Sarasal. Sel de Mara.
Hello! Hello! Vlog update, on est rendu là, avec nos ponchos. Oui, on est toutes bien au chaud. Vraiment confort. Je me coucherai. À vous, hein, couverte, genre, c'est comme une couverte. J'ai tellement hâte d'écouter District 31 là-dedans. T'as du rattrapage à faire? J'ai du rattrapage dans la crise à faire, mais... Ma première semaine en revenant, je suis bouquée bien raide. Mm-hmm. Trop de programmes à écouter, là. T'es comme un mamie en esti. Ah, je suis une vraie matante là-dessus. Je vous ai dit esti pis qui reste en même phrase. Ah oui? Ouais, on a trop sacré, là, il va falloir couper ça. Ok, on coupe, donc, on a trop de vin. C'est pas de notre faute, c'est de la faute de la bouteille de vin. Hello! C'est pas un tournage. It's me. Is it me you're looking for? Non, c'est pas ça. Mais c'est un autre tune. Ok. Mm-hmm. Vlog update. On n'est pas assidus sur nos vlogs update, on est trop occupés là. Mais on est trop occupés, puis deuxièmement, on n'a pas la bonne lentille, fait qu'on on peut pas se filmer nous-mêmes. C'est correct. On peut pas se filmer nous-mêmes, fait que là, faut tout à fait demander, Eric et moi en train de faire un vlog update, ou genre je vais filmer. Fait qu'on aime mieux filmer des images de notre journée, mais on parle pas bien. Mais là, on va faire un recap de la journée. Fait que notre journée d'aujourd'hui, comme vous avez vu par les images, on est parti ce matin puis on est allé dans le fond dans la vallée sacrée. Tantôt, c'est pas la vallée secrète. Toi, tu dis les vallées secrètes. Je sais. J'ai répété. C'est toi qui me dis. Vallée secrète. Non. C'est vallée sacrée. C'était comme à quoi, une heure d'ici? Non, ben plus, pour vrai. Là, non, genre, et demi. On s'est fait passer une vraie marée. Dans un petit autobus, ouais. Pendant mais le guide était vraiment fin, il disait ce qu'il y a plein d'affaires, puis on arrêtait à comme 4 places. On arrêtait en premier à un petit, dans un champ, out of nowhere, là, comme une petite madame qui nous expliquait comment qu'il teignait, genre, la laine d'alpaga pour comme gris, brun, toutes les couleurs. Puis c'est tout teint naturellement, genre, avec des choses naturelles, genre, comme c'est pas du colorant, là, puis c'est ni de la teinture. C'est quoi qu'il prenait déjà pour faire le ben, rouge? Ben, des plantes. Le rouge, c'était genre, c'était pas l'affaire du cactus. Yann! Ouais, c'est genre les épines des cactus. Les épines des cactus. Ça, oui, enlever les épines du cactus. C'est ça, on prenait des photos. Puis ça faisait, elle nous a donné dans notre main, ça faisait rouge. Je suis encore tachée, je pense. Oh non, je suis plus tachée. Non. Ça faisait rouge, les épines du cactus, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'était pour faire le fil rouge, mais en tout cas, ils prenaient d'autres herbes, puis disaient vraiment pour faire genre. Tout est teindu naturellement, c'est vraiment nice pour c'est ça, hot, côté là. Environnement. Ouais, vraiment. Fait qu'on a vu ça, après ça on a embarqué dans l'autobus, après ça on est allé au Moray. Ouais, c'était intéressant ça. T'as-tu écouté? Ben, entre deux photos là. C'était quoi qui... Puis Yann, les résumés qu'il nous faisait là. Ouais, Yann, c'était quoi non, Moray là, les... Ben dans le fond là, c'est que c'est comme plusieurs, c'est comme des grands cercles immenses. C'est hein, comme... Que vous allez voir sur les photos, vous avez vu genre, sur les images, sur hein, Instagram. Oui. Sur les Instagram. Sur les Instagram. Puis dans le fond, c'est qu'avec le vent, ça crée plusieurs microclimats. Ça représente un microclimat différent. Fait que l'agriculture qui était faite par les Incas était optimale. Ça se dit-tu? Je sais pas. Je savais pas que c'était ça pour l'agriculture. Oui, c'est pour l'agriculture. C'était nous autres de tests. Ils testaient genre différentes plantes, plantaisons de produits. Il y a longtemps à ça que nous autres, oui. Chaque la roche qui monte les murs conserve la chaleur, puis avec la manière que le vent tourne dans les différents cercles, ah ouais, les derniers anneaux en bas, c'est quasiment du 30 degrés Celsius, puis plus que tu montes vers en haut, plus que c'est froid. Fait qu'il y a des espèces, ça va tomber qui ne poussent pas en bas, exemple les patates. Les patates, ils poussent juste en haut. Puis ils ont développé plusieurs variétés de patates. Parce que les patates font partie de la culture péruvienne. C'est la terre où que les patates sont nées. Ok. Donc. Ça fait vraiment des belles photos. Donc. Ensuite, on est rembarqué dans l'autobus. On est arrêté. On s'est fait embrasser. On est arrêté après un petit marché de surtout de sel. De sel puis de. Ben, tout ce qui est produit à base de sel. Parce qu'on s'en allait après dans la mine de sel. Fait que c'est comme une introduction. Là. Il nous a expliqué les différents sels qu'il y avait puis tout. Puis après ça, on est allé dans des mines de sel. Je pense que c'était genre ma partie préférée. Alors, c'est fou. Là. C'était tellement beau. C'est fou. C'est des bassins là, remplis d'eau et de sel. Hey, il y en a en maudit. Puis c'est. Dans le fond, ça appartient aux habitants. Fait comme. C'est un attrait touristique.
Mais on paye 10 sols pour aller là, puis ça vaut aux habitants, parce que dans le fond, on visite leur terre, si on veut. Ouais. C'est pas les terres, mais tu sais. Il y a du monde. Il est en train de travailler, là. C'est les habitants, ils ont comme leur bassin de sel avec de l'eau, puis là, il faut qu'ils ramassent le sel. En tout cas, c'est vraiment impressionnant, puis c'est tellement beau, là. J'aurais pu rester là toute l'après-midi. Le pire, c'est qu'avec la visite. Mais la visite qu'on était, comme le trip qu'on avait booké, on avait juste 35 minutes là-bas. Fait qu'on est couru, là, genre. Parce que où est-ce qu'on est débarqué de l'autobus, on avait une marche à faire de comme 10 minutes, 10-15 minutes pour se rendre au bassin. Puis 10-15 minutes revenait, il restait plus grand temps. Hein. On avait comme 10 minutes pour prendre des photos, genre vite, vite, go, go, photo, genre. Ouais, on n'a pas full enjoy parce que, tu sais, on était genre, on voulait vraiment prendre on des photos. On était tout droit, puis. On voulait prendre des photos, mais comme, c'était vraiment beau. De tout le Pérou, c'est mon deuxième activité préférée. Deuxième? Premier buggy à Huacachina. Mais le bateau aussi, c'était le fun à Paracas. Ouais. Mais c'était un tour de bateau. Ben, c'était le fun, mais c'était pas dans les préférés. Là, ben, d'un vu, ouais, c'était quand même le fun. Puis on dirait que les climats étaient différents aussi là. Ouais, c'était fou, là. En tout cas, c'était vraiment beau, là. On dirait que j'aurais regardé ça toute l'après-midi, genre. Ouais. Comme chaque bassin était une couleur différente, là, c'est bizarre. Puis moi, puis Anne, on a goûté au sel. C'est vrai, hein? On a pris direct à terre, on a dit on goûte-tu, c'est du sel, puis on a goûté, puis ça goûtait le sel. J'espère que ça goûtait le sel. Ouais, j'espère. Mais sel pur, 100% pur. Fait qu'on est revenu de cette activité-là. On a fait une sieste, parce qu'on était fatigué. Mmh. Mais je pense que c'est l'altitude à nous. On est amorphe comme. On n'a pas d'autres symptômes, on n'a pas de mal de tête. Non. Mais on est juste fatigué, ouais. Comme hier aussi, on a fait une sieste, puis jamais dans le voyage on a fait de sieste. Là. Mmh. Je pense vraiment que c'est l'altitude, mais demain, on s'en va à Aguascalientes, Machu Picchu. C'est là qu'il y a Machu Picchu. Puis là, on redescend à l'altitude parce qu'on va avoir plus d'énergie. Le salaire de bus aussi, l'autobus de nuit, moi personnellement, je ne vous conseille pas si vous êtes comme moi, qui a de la misère de dormir dans un lit de mousse mémoire, acclimatisé. Les oreilles en mousse mémoire, puis toutes les dormir dans un autobus, c'est la fin de ma vie. Là. Mais c'est toi qui as décidé de booker ça. Je sais. C'est toi qui as dit on va y aller en autobus, on va faire si c'est ça l'autobus. Puis on aurait pas une vécu, grosse ride d'autobus, ça me décourage bien. Ben non, ça mène à rien. Nous, on va être ensemble, Yann et tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est à son tour. C'est à son tour. Moi, je revis pas tout seul avec le gars puant. Fini. Peut-être qu'il va être dans notre bus, hein? On l'a croisé plein de fois. Oh mon Dieu, oui, pis il avait le même coton ouaté sur le dos depuis 3 jours. Genre, c'est sûr que c'est pas lavé. C'est sûr qu'il n'a pas lavé son coton ouaté, là. Oh man, puis. Ouais, fait que demain. Puis dans le fond, l'activité, là, on recap le visite, là. Ouais. Ça a coûté comme 65$ par personne pour toute la journée. Même pas. C'est 25 sols par personne. Ouais, mais là-bas, 70 plus 10. C'est 120, ça revenait à genre 42. C'était 105. 42. Hein? Non, c'était 100. C'est 80 plus 25. Ouais, 105. Divisé par 2,45. 42 balles. 42 piastres. Vrai joke, mon jour de même. Pour toutes ces. Pour 3 activités, le transport, un guide. C'était vraiment bien. Ouais, pour vrai, là. Puis après, on est revenu à 3h quand on avait notre après-midi, le reste de l'après-midi. Puis à soir, on est allé sur un resto vraiment bon. Kion, ça s'appelle. C'est un resto chinois. Ou japonais, on n'est pas sûr. C'était-tu japonais ou chinois, Yann? C'est chinois. T'es chinois. T'es sûr? Ouais. Ok, c'est chinois. On a mangé des noël comme des genres de ramen. Non, on se regarde dans le quartier chinois de Montréal. Hein? C'était bon, là. C'était vraiment beau comme resto. Fait que c'est ça. Fait que demain, on départ. À quoi? Aguascalientes. Petite ville vraiment petite, là. Fait que c'est la ville du Machu Picchu. Puis après-demain, on va monter Machu Picchu. Fait que demain, on va comme visiter. Puis on a vraiment un bel hôtel demain, là, genre que tu vois. Ouais. Puis après, on passe 2 nuits là-bas. On revient à Cusco pour un après-midi, puis le soir, on prend l'autobus. Pourquoi on n'aurait pas pu partir de... Ah non, il y a rien. Parce qu'à Aguascalientes, c'est ça, comme il n'y a aucune route pour se rendre là, c'est il y a 2 compagnies de train ou à pied. Ça te prend 5 jours si tu veux y aller à pied. C'est ça? La mise à marcher jusqu'au point d'arrivée. Fait que c'est vraiment une petite ville. Fait que c'est pour ça qu'après, il faut qu'on revienne ici, puis là, on prend notre autobus pour aller en jungle. The Jungle, un autre The Jungle, j'ai hâte.
Fait que c'est ça le recap de la journée. Puis on va aller se coucher. On va être en forme demain. Bonne journée demain. Ouais. Fait que bye la gang. Bonne nuit. Buenas noches. Ah ouais, dis-le donc. Buenas noches.